Ça fait maintenant 8 ans que je suis entrepreneur. L'expérience entrepreneuriale est arrivée un petit peu par hasard puisque en fait, c'est mon mari qui est entrepreneur depuis des années. Et puis je me suis retrouvée à travailler avec lui il y a 8 ans. On a monté un business qui a très bien fonctionné. Et en fait, au fur et à mesure de nos expériences, on s'est retrouvés en fait, à avoir un besoin vraiment extrêmement précis qui était trouver une solution facile, rapide, accessible pour pouvoir interroger nos utilisateurs en ligne. On avait à l'époque aussi un site e-commerce et on avait besoin de comprendre si le site était facile d'utilisation, compréhensible, quelle était la perception du site par nos utilisateurs. Et on est tombé sur une solution aux États-Unis qui s'appelle User Testing, qui permet d'interroger ses utilisateurs en vidéo à distance. On a trouvé le concept génial et on a décidé de le développer et de l'amener en France. C'est comme ça qu'UserLynx est né il y a 2 ans. J'ai un ami qui m'a vivement recommandé Wojo il y a 2 ans. Et l'expérience UserLynx a commencé dans les locaux de Wojo. Et on pensait vraiment rester pour 6 mois le temps de mettre en place le business et ensuite prendre des locaux. Et en fait, une fois qu'on commence à travailler dans ces espaces de coworking, en fait, on ne veut plus les quitter. Le concept est hyper intéressant et il y a à la fois des grands comptes qui ont pris des bureaux, il y a des PME, il y a des startups, il y a des freelances. Et en fait, c'est tout un écosystème qui est très enrichissant, à la fois pour des échanges voilà, de services et pour faire du business. Donc maintenant, on est une équipe de 7 et c'est aussi un atout pour nous de rester là parce que en fait, c'est un univers extrêmement vibrant. Et on peut recruter facilement de nouvelles personnes.